camarade, toi tu écoutes les radios gnafou gnafou gnafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue gnafou gnafou gnafou. Moi j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est une heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garandi. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Awal Bazakam, Gadja Saïdonik. Intimes, t'avais promis qu'on restera unis. Bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'es forcé à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh mon cœur, je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sitson Alguéhi, le danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agui FM avec le phénomène R9. C'est à la technique, puisque c'est lui qui contrôle les curseurs. Before Gus, le juste à la caméra. Bonheur objectif toujours à la photographie. Bonne arrivée à vous, la grande famille de FM Agui et de l'émission Musique Promo. Dans quelques instants, l'artiste Kimvia sera avec nous au téléphone depuis Paris. Il fera sa première dans l'émission, tout comme Marion Derguet et Jetsonat, qui sont aussi nos hôtes du jour. Je crois
constate que mon peuple va mal, que tout ce qui se passe soit écrit dans les annales. L'inquiétude rime avec nos habitudes, nos attitudes laissent à désirer nos turpitudes. On s'engouffre au quotidien dans l'irréparable. Faut y arriver, soyons juste raisonnables. Responsable, donne un bel exemple. Ta diversité et ta richesse. Il est temps qu'on fasse la différence avec cette prouesse. Donnons-nous la main pour une paix, car notre meilleur lendemain est commun. Tchadien de l'Est, Tchadien de l'Est, Tchadien de l'Ouest, Tchadien de l'Ouest, Tchadien du Nord, Tchadien du Sud, Tchadien du Centre. Nous sommes tous les mêmes. Ndoro ila la fe, Ndoro ila la fe, Ndoro ila la fe. فلا زمنا السلام لازم نمد ايدينا للسلام من جنوب للشمال من شرق لقرب لازمنا السلام لازمنا الديالوج انكليزيف يا اخوي دايرين ودوا بلدنا قدام ننسى مننا الحروبات وننسى مننا الكلام الكثير ماتوا الكثير فاتوا لازمنا ننسى ونسامح لدور العافيه دور السلام نودي بلدنا تشاد نرفع نوديها لقدام نسامح ونودي بلدنا قدام جنوب شمال كلنا سوا من دون تفرقه لازم نسامح وندور السلام بلدنا بالعافيه والسلام والمحبة بلدنا يمشي قدام لا جنوبي لا شمالي لا شرقي لا غربي ندور العافية ندور السلام On est tous les mêmes Fille et fils du Tchad Ah ouais tous les mêmes Fils de Toumaï Pourquoi tu me fais des problèmes Je suis ton frère Pourquoi tu me fais des problèmes Je suis ta sœur Je te tends ma main Tends-moi ta main viens on va faire la paix Tchad a besoin de toi, besoin de moi pour avancer. N'oublie pas. Tous unis pour la paix au Tchad, cette paix que nous voulions tous. À quelques jours du dialogue national inclusif, la date butoir du 20 août, ce moment important de l'histoire de notre cher pays, le Tchad, et surtout les fils du Tchad, l'unité ne doit être plus que jamais le mot d'ordre. À l'instant, en fond sonore, le collectif 235 a fait ce collectif composé de Dynamite, Sarah Jibel, Tchadjano, Ken le Miraculé, Dan Carter et Prince Sammy. Et si cette chanson du collectif 235 a fait devenir l'hymne du dialogue national inclusif, le ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue est interpellé. Du slam pour soigner les mots par les mots. Voici le slameur, El Krib. Incontestablement, la zone soudanienne est la mieux arrosée. C'est l'espace nourricier du pays, même sans agriculture mécanisée. Fini l'exploration, l'or noirier découvert. Sans scrupule, on sacrifie le paysage vert. Les vastes terres arables réquisitionnées pour l'industrie. Le paiement des compensations des terres laisse les cœurs meurtris. Impressionnantes sont les machines, impensables les néfastes effets. La population environnante dans son ensemble est catastrophée. Dans la zone d'exploitation, l'écosystème est le plus vulnérable. La couche d'ozone s'est affaiblie et la chaleur y est implacable. Le ciel est tout gris, les grosses pluies se raréfient. Au bout de quelques petites années, toutes les mares ont tari. Vers une misère certaine, l'exploitation de l'or noir nous conduisit. L'histoire est donc écrite, à l'évidence une sécheresse s'est produisit. Sous le poids de la dalle, judicieux se révèle le chemin de l'exode. À l'abri du besoin, le décideur s'est marre de l'épisode. Cela paraît drôle. Qu'un peuple tout entier soit en pleurs, il a jailli le pétrole, mais en même temps s'est installé le malheur. Naturellement, le grenier public grossit. L'armement est préférentiel, mais aussi, c'est l'occasion de réaliser les rêves les plus fous. Toute la thune est thésaurisée, les individus s'enrichissent jusqu'au cou. Les retombées sont quasi invisibles, même les salaires sont stagnants. Inconcevable de se contenter du SMIC, le fonctionnaire réclame un changement.
Le décideur verbalise, guerre convaincue, l'interface atteint un chiffre. Les pourparlers sans succès pour la presse, c'est un gros titre. D'un côté la colère, de l'autre l'indifférence, la raison, on s'en moque. Le climat devient austère, les prises de parole s'entrechoquent. Au tout début, le malaise se lit à travers l'expression faciale. L'incompréhension se transforme très vite en grand et social. Aucune sortie heureuse ne se dessine, les rues de la capitale sont prises d'assaut. Les grévistes sont amochés comme des vermines et taxés en même temps de salauds. La répression est sanglante, alors tout le peuple est en pleurs. Il a jailli le pétrole, mais en même temps s'est installé le malheur. L'équipe de malheur, le titre El Crime, l'artiste. Dans cette chanson, le slammer El Crime parle du pétrole, l'or noir et ses malheurs. Salut, salut, vous avez reconnu la voix, c'est Anonyme. Et hey yo, la famille, c'est John Chris. Restez connectés avec R9. Bras. Masarga Gandembe. Masarga Gandembe. Masarka gandebe, yayo baba bunu. Masarka gandebe, baba launa narka gandebe. Masarka gandebe, baba masarka gandebe. Masarka gandebe, chama wala kagandebe. Masarka gandebe, chama dura kagandebe. Masarka gandebe, yayo yayo baba. Masarka gandebe, masarka mnongo kagandebe. Masarka gandebe, masarka fyoka saki denga. Masarka gandebe, safari na saha una gandebe. Masarka gandebe, sakiri na samidina kafi. Masarka gandebe, masarka gandebe ya yo baba. Masarka gandebe, launa masarka gandebe. Masarka gandebe, masan sarwai launa wo. Masarka gandebe, ya yo baba. Masarka gandebe. Masarka gandebe, yayo yayo baba. Masarka gandebe, masasa yagon gaide milauna. Masarka gandebe, masade bongor mede milauna. Masarka gandebe, bina bongor yayo baba. Masarka gandebe, babalauna narka gandebe. Masarka gandebe, masana serwa launa yayo. Masarka gandebe, sheni banana krapa sevalso. Masarka gandebe, tunranga sofi nakziseta. Masarka gandebe, gaide milauna yayo. Masarka gandebe, calibre sonic gandebe launa. Masarka gandebe, yayo yayo baba. Masarka gandebe, safyonga sakidenga yaya. Masarka gandebe, sairina samitino kafi. Masarka gandebe, safarena sahauna yayo. Masarka gandebe, gandebe launa yaya. Masarka gandebe, masana jama mola. Masarka gandebe, masana jama dura. Masarka gandebe, masana par excellent. Masarka gandebe, masana subre launa wo. Masarka gandebe, yayo yayo baba. Masarka gandebe, kermis mis 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 mis. Masarka gandebe, konga kaltam tulria kakijel kusun blankango tudi chato dangfun boyo. Ça c'est le génie banana, le chef du gouvernement. Cravate Saint-Valson. Le
Nous sommes dans le Mayokebi et la figure de proue est Cravate Saint-Valson, artiste complet, pluridisciplinaire. Massana, le titre, un hommage au peuple banana, ce peuple fort. Voici ce duo, Kiamspi, featuring MN6 Only. Elle voit ma douce, elle est cantée. Elle me tourne million, diringo le canté. Elle voit ma douce, elle est cantée. Elle me tourne million, diringo le canté. Quelqu'un d'hanté, elle m'envoie mon hanté. Ok, elle m'envoie mon hanté. Quelqu'un d'hanté, elle m'envoie mon hanté. Du garage à Kagouti, Fatih Samaka, Agouti, Fali, Fatih Bami, c'est ligué à moi, elle m'aime bien. Mais Susan le sait. Ah, Susan le sait. Ah, Susan le sait. Susan le sait. En tout cas, elle a Kagouti, Fan. En tout Seigneur Yobonate, Kumbrano, tiens c'est dira Yanganate. Tiens c'est y'a que à l'homme dit goto, c'est pour le meilleur et le pire, Iko, Ike. T'as mérite pour la taille, guerre à problème, ce mani. Ma koi kabaï, ma koi kabaï. Y'a y'a que joy nous, y'a y'a que joy nous. Bola ta tere nuti ate Muta yaya ke joinu Hey ti yaya ke joinu Bola ta tere nuti ale Maloba 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 ria maraka Maloba 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 ria maraka. Exclusivité, nouveauté, c'est encore frais le son. Depuis quelques années déjà, il y a ce nouveau souffle insufflé par la nouvelle génération qui propose des chansons plus en harmonie avec leur époque et leur auditoire. En fond sonore, la collaboration Kiamspi et MN6 Only. Notre premier invité du jour est un artiste aux sonorités multiples puisqu'il sait capter son audience avec des textes travaillés et percutants. Kimvia, c'est son nom, il est avec nous au téléphone depuis la France, mais bien avant, on va se délecter. Viser un des titres de l'artiste. C'est Kimvia, le NTA avec le hip-hop de la bouche, génération extraterrestre, mais ça m'a gagné. Dans ma Afrique, on me le cagne. Aurina vient ni John Dagheti. Ton ciel pour s'aimer tes étoiles. Ta terre était jardée d'Eden, elle n'a pas d'autre voile. Je viens t'apporter mes ciels gris ou joyeux. Toi que j'aime, voici l'offrande de mes yeux. Né pour briller, j'attends que des billets. Né pour prier, je vais que des billets. Né pour briller, j'attends que des billets. Né pour prier, je vais que des billets. Viser la lune. La donke Mokoye kasi la o Hey Mokoye kasi la donke De konkoso. Respect au père diable qui a créé la monnaie. Car derrière chaque fortune il y a toujours écrit désolé. Je suis une parcelle de la puissance créatrice. Il manque au mien la conscience et la mienne.
mettre, mais il faut prier. J'attends que des billets, mais pour prier, je veux que des billets, mais pour prier, j'attends que des billets, mais pour prier, je veux que des billets. Viser la lune, viser les étoiles, viser le soleil. L'objectif, il est clair, on vise la lune, le soleil, les étoiles, puisqu'on est né pour briller. Kim Via, l'artiste, visait le titre. Kim Via, mon frère, bonne arrivée, comment vas-tu? Je vais bien, je vais très bien, mon frère. Ça va, sincèrement. Je suis rentré un peu tard, mais là, ça va. J'ai presque envie de te poser cette question. Quelle influence a eu le groupe sénégalais Daradji dans ton parcours à toi? Eh ben, si tu veux, c'était le début du hip-hop. Africain, donc du coup la maison mère c'était le Sénégal parce qu'il y avait les PBS, il y avait Daradji. Oui, la jeunesse, donc, la naissance. Voilà, la naissance même, tu vois, voilà, donc le Sénégal était un peu le berceau en ces moments parce que, bon, après la France avec MC Solar, donc du coup c'était le Sénégal et du coup voilà, donc c'était pas seulement que nous les jeunes tchadiens, mais je pense que c'était aussi à travers tout le continent. Donc du coup, et surtout Fada Freddy avec sa voix, Alaa Dimane, tu vois. Donc du coup, ouais, c'était quelque chose qui nous faisait vivre. Et du coup, on a voulu aussi les ressembler. Faire comme eux. Ouais, ouais, voilà, effectivement. Genre comme on voulait, où on voulait. C'était carrément le rêve. Même dans le quartier, c'était carrément pas seulement moi. Tous ceux qui aimaient la radio, bon, on écoutait aussi RFI, à chaque fois ils passaient là-dessus, donc du coup on voulait les ressembler. Daradji, voilà, est un groupe panafricaniste, puisque toi aussi tu es un idéologue autoproclamé panafricaniste, universel. Ouais. Kim Via, dis-nous, est-ce que l'Afrique a su déjà se défaire de son infériorité, de son complexe face à l'Occident? Pour moi, honnêtement, je pense que sincèrement, ça reste encore beaucoup à faire, honnêtement. C'est complexe. C'est vrai, petit à petit, on est en train de sortir là-dedans, mais ça reste encore réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à faire. Déjà, honnêtement, nous qui vivons ici, je pense peut-être que sûrement, toi, tu es informé et que tu sais, on a encore ces problèmes de complexe réellement face à l'autre. Non seulement c'est africain, je pense aussi que face que ce soit les Arabes, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, donc du coup, on a cette tendance beaucoup plus à considérer, oui, ce qui vient d'ailleurs, voilà, à donner beaucoup plus d'importance à ce qui vient d'ailleurs que ce que nous-mêmes on crée. Donc du coup, je pense que c'est tout ça qui fait qu'on est encore vers le bas. Oui. Mais bon, petit à petit, il y a des pays qui sont en train d'émerger à leur pas, mais bon, après, il y a toujours l'influence de quelque part. Et après, bon, voilà, donc c'est comme ça, mais bon, je sais pas, c'est vachement un boulot à faire. Ouais. Paul Kagame disait, ce que je veux, c'est une africanisation dans la modernité, pas une occidentalisation. Je veux être un Africain moderne qui a sa place dans le monde et non un Africain perdu dans la jungle, dans l'attente de bons samaritains pour donner un sens à ma vie. Partages-tu cette vision, la vie de Paul Kagame? Si tu veux réellement, Paul Kagame, aujourd'hui, tu sais, les autres sont en train de crier, voilà, Che Guevara, tu vois, les grands résistants, les grands révolutionnaires, il y a le Che, il y a Castro, il y a Gandhi, tout ça. Mais pour moi, honnêtement, même quand tu regardes sur ma chaîne YouTube, c'est cette parole-là que moi j'ai mis en bas de ma chaîne. Paul Kagame représente beaucoup pour moi, honnêtement. Et c'est un peu comme, moi je peux même dire, honnêtement, que tout ce que nous avons comme gars, on a vachement, disons, on est très riche en culture, très riche en ressources et très riche aussi, disons, en tant qu'être humain, tu vois, du côté spirituel, voilà, de tout ça, je pense qu'on est vachement, 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 on a tout. La nature nous a tout donné, mais seulement le vrai problème, c'est que c'est juste de l'influence qui vient d'ailleurs. Et effectivement, moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma musique. Je me dis, je m'appelle Nouveau Type Africain, je fais du hip-hop de la brousse. Pourquoi hip-hop de la brousse? Parce que l'image de ce que, quand tu parles tout de suite aux Occidentaux, quand tu parles de l'Afrique, on te parle de la savane, des animaux, tu vois. L'Afrique est en train de se construire. Et je pense aussi qu'il faut qu'on soit vraiment, parce qu'on a nos réalités. Et les réalités qu'on a,
ne coïncide pas avec les réalités que les gens ont ailleurs. Donc, le meilleur, c'est qu'il faut qu'on évolue à notre rythme et qu'on essaie de fournir les efforts à notre rythme jusqu'à pour y arriver. Mais bon, après, une fois, si on veut copier, par exemple, l'Occident ou les Américains ou que ce soit les Orientaux, ouais. Réellement, il y a des réalités qui ne coïncident pas avec ce que nous vivons. Donc, du coup, il faut être fier d'être africain. S'affirmer d'abord de son identité. Voilà, de son identité. Et aussi, non seulement de son identité, mais de là où nous vivons. C'est-à-dire parce que nous avons, quelque part, nous dépendons aussi de la nature, de notre environnement. C'est vrai, on dit que c'est l'homme qui est le maître, mais après, voilà, ça dépend de tout ça. On ne va pas comparaître la terre que le Mali a par rapport au Tchad. On ne peut pas comparaître la terre que le Sénégal a par rapport au Tchad. Donc, du coup, que nous vivons nos réalités. Grâce à notre environnement, nos réalités, et je pense qu'il faut prendre ces réalités-là et avancer avec, faire comprendre aux autres que oui, c'est vrai, on est en train d'avancer dans la même direction, mais on a ça, ça, ça. Mais après, on est tous des êtres humains, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts. En tant qu'être, nos défauts, et on a aussi, c'est des êtres comme nous, ils tombent malades comme nous, et ben, ils se font soigner comme nous. Ils ont la santé comme nous, ils mangent comme nous. Donc, nous sommes tous des êtres humains. Après, ben voilà. Donc, du coup, c'est juste que, quelque part, peut-être du point de vue technologique, ils sont un peu avancés. Sur certaines choses, ils ont déjà fait des boulots à être stables. Mais bon, nous, petit à petit, on arrive. On va y arriver. Kimvia, toi qui as été bercé par le rap, en l'occurrence MC ouais. Solar, Positive ouais. Black Soul, PBS, Daraji, dont ouais. nous venons de parler. Avec ouais. cette nouvelle ère, est-ce que tu ne te dis pas que le rap était mieux avant ? Honnêtement, je ne saurais réellement te dire que le rap était mieux avant. Tu sais, moi, je pense que c'est une question de génération. Chaque génération a son époque. Voilà, chaque génération a son époque. Et il faut accepter aussi que quand telle génération arrive, avec, son influence, son métissage, et il y a un mouvement qui se crée. Moi, je pense qu'entre-temps, c'est vrai, c'était beaucoup plus la Jamaïque qui avait influencé, parce que c'est là où tout a commencé. Après, c'était tombé vers les États-Unis, donc du coup, même ici en France, les gens copient les États-Unis. Donc du coup, après, nous aussi, on a copié, mais bon, c'était beaucoup plus... rap conscient, tu vois, et les gens étaient vrais, c'est vrai, peut-être qu'il n'y avait pas l'avancement aujourd'hui aussi de la technologie, mais il faut comprendre aussi, en même temps quand on se plonge dans le temps présent, il faut comprendre aussi que les choses ne sont pas aussi pareilles qu'avant. Donc du coup, il y a un mouvement qui est en train de se créer sur place face à la jeunesse. Aussi, quand on parle de ce mouvement, on va parler aussi réellement des brassages culturels. Donc c'est tout ça ouais. qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi l'avancement de... la création des multi-musiques qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est tout ça aujourd'hui qui fait. Moi, je les comprends. C'est d'aujourd'hui, c'est devant. Je pense que tous les deux, ils ont leur place. Mais bon, après, ça dépend juste de ce que l'autre va faire pour que ça marche. En 1995, tu fondes ton groupe Doka So Incorp. Bon, c'est en Kim. Tu vas m'excuser de mon accent. Oui, non, c'est Doka So Incorp. Voilà. Donc, qui veut dire « Dieu vient à notre secours ». Que sont devenus tes potes Doc Danico et Amos? Bon, Amos, je pense qu'on s'est perdu de vue, ça fait presque 3 ans. Mais Doc Danico, c'est quelqu'un qu'il m'appelle. À tout moment, on cause, on a toujours de très bonnes relations. Et Amos, c'est plutôt son petit frère. Oui. Que récemment, je pense, grâce à Mac Alex. Ouais. Du coup... on a eu à échanger, il a écouté ma musique dans sa voiture, il y a son grand frère même qui est ici, en train d'étudier en ville à Clermont. Donc du coup, réellement, honnêtement, mais je pense que son petit frère m'a dit, il est maintenant vers le sud, vers Moundou. Après, il y a le boulot, et tu sais, c'est pas aussi tout le monde qui est appelé jusqu'à tenir, dans une longue durée pour la musique, parce que après tout, c'est une passion. Réellement, on est là, on partage. Par exemple, Dani, à chaque fois, il me demande des instruments que moi, j'ai fait ici, j'ai lui envoyé, je pense, 4. Et on a toujours de très bons rapports. Et je pense peut-être que c'est le jour où peut-être, quand je vais
descendre sur le au pays. Réellement, on pourra faire quelque chose, hein, pourquoi pas, voilà, organiser un concert ou participer à plusieurs choses. Donc, du coup, j'ai toujours des très bons rapports avec vous. Deux albums en ton actif, Tchadorapi ouais. en 2004, Voix Voix ouais. en 2007, qui t'a permis ouais. de côtoyer les grands artistes comme Kerry James et bien ouais, d'autres. Ouais. Finalement, quel est ton album coup de cœur des deux ? Est-ce bon, Tchadorapi ou Voix Voix ? Ouais, bon, honnêtement, moi, je pense que ma Tchadorapi était beaucoup plus, tu vois, c'était carrément les, j'ai touché le Tchad, j'ai touché carrément le cœur du Tchad avec la chanson de Ahmed Pekos, Enfant du Tchad, qui a trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Oui. Bon, voilà, donc c'était Ahmed Pekos, c'est l'icône aussi de la musique tchadienne qui a marqué son temps. Et du coup, j'avais pris cette chanson-là, j'avais fait, et je pense qu'il y avait des... Bon, entre-temps, il était animateur, l'influenceur Abel Maina, entre-temps, il était à la radio. Donc du coup, c'est avec Modile Belongar, voilà, c'était des gens qui m'ont aidé. Il y a aussi Macalès qui m'ont aidé un peu à diffuser cet album. Réellement, ça m'a... Je pense que j'étais revenu de Dakar, en N'Djamena, et ça m'a un peu boosté. Mais bon, ma Tchadorapi, je pense que c'était beaucoup plus... C'était le Tchad. Et ça aussi, réellement, c'était un coup de cœur pour moi. Mais après, la voix-voix, c'est... Je ne sais pas comment te dire. C'est aussi un coup de cœur. Réellement, entre les deux, j'ai pas à choisir. Parce que la voix-voix, c'était beaucoup plus africain. Tu vois, dans l'album, j'avais fait un feature avec Cool Coxy du groupe Pifoaz, qui m'a permis aussi de monter sur scène avec quelqu'un comme Didier Awadi, avec les Mauvaises Haleines au Gabon. Avec comment on appelle, il y avait un groupe malien aussi très 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 influent entre-temps que j'ai du mal à récapituler le nom. Honnêtement, ces deux albums, j'ai un peu l'embarras du choix parce que tu sais, le premier c'est carrément le Tchad, le second c'est une vision un peu, peut-être ça fait partie aussi de mon avancée, que dire que voilà, donc là il a un peu évolué, donc du tous les deux, réellement, j'ai un peu du mal à tirer un choix. Tu ne bouges surtout pas, Kimvia. Tu gardes la ligne, tu restes avec nous. Dingue, le titre, voici Kimvia. C'est dingue. Toujours Kimvia. C'est dingue. Quand je suis arrivé, clairement m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Tellement qu'il m'a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez vos distances pour danser, prenez position pour bouger. Avec mon hip-hop de la chaque minute compte, niveau à niveau. Et Zabakanda, génération, rien à foutre. Hein. Je suis un Sao, là où frappe la foudre. Hein. Demande Mbappé, mange le mafé, mythico, sonica, des Kim-Kim-Kim-Via. Enfant du maillot, Kébi, Kim-Kim-Kim-Kim-Via. Mythico, sonica, des Kim-Kim-Kim-Via. Enfant du maillot, Kébi, Kim-Kim-Kim-Kim-Via. Sa force plus rien, salutations à Job Chantier. Regarde derrière moi, je ne fais que vous remercier. J'ai cherché l'amitié avec Lian Mbappé. Saute. Quand je suis arrivé, clairement m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Tellement qu'il m'a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez votre distance pour danser, prenez position pour... Kimvia, l'enfant du maillot québécois, Kimvia qui est avec nous au téléphone. Kimvia, cette chanson est une reprise. Ouais, effectivement, ouais. De Coco Mandila. Donc, c'est, si tu veux, c'est un jeune ivoirien. Bon, toi, tu sais. Réellement, j'étais juste en train de faire ma prod. Et subitement, j'avais plus d'inspiration. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma prod, ça coïncidait un peu avec la prod de Coco Mandila. Et c'est comme ça qu'automatiquement, je me suis dit, mais putain, je suis aussi interprète, pourquoi pas? Et tout d'un coup, c'est parti de là. Et ben, voilà, donc j'ai commencé à poser un peu le refrain. Et vite fait, mais voilà. Et
tout a fini par être tout à fait écouté. Quelles sont tes actualités? Qu'est-ce que tu prépares? Là, actuellement, je suis en train de... Bon, premièrement, on a d'abord un festival en cours qui va se passer le 10 février. Où? Avec l'association JLS Jeunes, que ma femme est la coordinatrice. Donc, du coup, j'ai aussi deux sons que je suis en train de préparer avec mon équipe. L'autre, c'est... Bon, je ne vais pas dire le titre, mais honnêtement, c'est... je pense que j'ai eu à t'appeler pour t'informer. Ouais. Réellement, des fois, frérot, j'ai envie. Si tu veux, c'est une dédicace. Ouais. À toi, réellement, tu sais, juste le fait que je vous vois en audiovisuel, disons, avec les artistes dans la chaîne FM Hagi, l'ambiance, la joie, le bonheur que tu apportes à ces artistes-là, même si ça ne paye pas, réellement, on sent quand même que c'est une récompense qu'ils ont, la joie juste de vivre avec leur art, même s'il y a encore les moyens qui manquent, sincèrement, et pour tout ce que tu es en train de faire pour la jeunesse, pour la musique tchadienne. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire appel à tous les artistes, pas seulement musiciens. Quand je dis artistes, c'est général. Réellement, de venir juste sur ta chaîne YouTube, de s'abonner, je pense qu'on est des milliers et vite fait, on va faire booster cette chaîne. Parce que réellement, ce que tu fais, c'est vachement grandiose. Et si pour que nous devenions vraiment ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Donc réellement, je pense que c'est pas le moment de le dire, mais réellement il le fallait. Donc c'est une chanson que je le dédie à toi et aussi à Macalex. Et le second, c'est en futur avec un jeune français maoré qui fait partie aussi de l'équipe. Bon, d'ici peu, vous allez le savoir. Et je pense que le mois prochain aussi, on a un clip à faire. Le titre, c'est NTA, Nouveau Type Africain, qui fait partie de mon slogan. Et ben voilà. En tout cas, je suis flatté, je suis touché par ces mots. Kim Via, ton regard, toi qui regardes de loin, toi qui observes ce qui se passe au pays, est-ce que les ondes sont positives en ce qui concerne notre musique tchadienne? Bon, honnêtement, je pense quand même que il y a de la positivité, mais bon, pas du point de vue 100%, parce que réellement aujourd'hui, on est encore beaucoup plus influencé par la musique d'ailleurs, et ce qui est normal. Mais je pense aussi qu'il faut que nous tournions vers nous-mêmes à faire comprendre à notre population, à notre peuple, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils n'ont qu'à accepter réellement ce que nous faisons. Moi, j'ai vu dans toute l'histoire de la musique tchadienne, il y a seulement Afrotonix qui a aujourd'hui qui fait des millions de vues. Et après, je suis tombé hier sur le jeune Ligui. Sur le jeune Ligui. Que réellement, je n'ai pas cessé de regarder. J'ai regardé son titre. Dieu ne dort pas. Disons, voilà, Dieu ne dort pas. Et il a 1 million et quelques vues. Donc moi, je me dis, tout est possible. Mais la possibilité va venir de nous-mêmes. Le peuple, il n'y est pour rien. Je pense que ça a été fait avec le groupe P-Square. Puisque... au Nigeria, ils ont obligé le peuple nigérien. C'est vrai que voilà, c'est le pays auquel c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Mais bon, après, ils ont amené le peuple nigérien à consommer réellement leur musique. Et tant que nous, les artistes tchadiens, nous prenons pas cette tâche en considération, je pense que le peuple va toujours se tourner vers la Côte d'Ivoire, vers le Congo, vers le Nigeria, vers le Cameroun. Et alors qu'on a ce potentiel, quand tu écoutes le jeune Ligui, mais je vois le Burna Boy en lui, je vois Karma Davido en lui, je vois réellement aussi son talent qui est en lui, en lui-même, et le Tchad en lui-même. Honnêtement, il faut qu'on se donne. Et ce jeune a besoin d'être encouragé, tout comme des milliers des artistes tchadiens qui sont là. Kim Via, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Toi et moi, est-ce que tu as un message à l'endroit de tous ces mélomanes qui nous écoutent? Oui, bon, premièrement, je tiens réellement à saluer réellement la population tchadienne, à saluer aussi ma famille qui est un peu loin de moi. Et après aussi, je tiens à faire un coucou à ma tendre et chère épouse Iliana, qui ne cesse toujours de me soutenir. Big up à elle. Oui, elle est juste à côté, elle te suit.
et à toute sa famille d'ailleurs. Et réellement, big up à toi, big up à tous les animateurs et à tout ce que vous faites. Honnêtement, sincèrement, sans vous, nous, on n'est rien. Et j'appelle aussi les artistes tchadiens à fournir toujours d'efforts, à croire en eux, savoir valoriser ce qu'ils font et aussi réellement à s'entendre. Parce que c'est aussi ça. Sans l'entente, sans l'harmonie, je pense qu'on ne peut pas avancer. Et réellement à croire surtout à nos animateurs et à ce que nous-mêmes nous faisons. C'est important. Et voilà, c'est très très important. Et encore et encore et encore, réellement, j'appelle les artistes honnêtement à... C'est juste aujourd'hui, c'est rien, c'est sur nos téléphones. Allez-y sur l'émission que fait notre frangin. RNF Garandi, il a sa chaîne YouTube, Facebook, c'est juste un clic sur abonné, cloche de notification, c'est rien, ça ne prend même pas quelques secondes et c'est rien, vous ne payez rien, les gars, c'est notre image qui est en jeu. Kimvia, tous tes succès sont nos succès, nous on attend les exclus, on attend les nouveautés de ta part, dès que c'est OP, tu connais le mot de passe, tu nous l'envoies et nous on va diffuser. Merci en tout cas Kimvia, merci d'avoir accepté notre invitation, on est ensemble mon frère. Merci, merci à toi surtout, merci, merci beaucoup et vraiment passez un très bon week-end. Et big up sur toi, ce que tu fais. Merci, peace. Parcours des soldats, NNNTA. Un vrai Benzema, NNNTA. Doua ou, Nedo. Quand je suis arrivé, clairement, m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Oh, tellement qu'il m'a beaucoup désiré, j'en pour déranger. Prenez vos distances pour danser, prenez position pour bouger. Avec mon hip hop de la bouche. Ding, le titre, Kimvia, l'artiste Kimvia qui était avec nous en direct depuis la France. Il nous a mis au parfum de ses actualités. Notre deuxième invité du jour est un poulain du label Buzz Master War, puisqu'il est au pays. Mario Ndergué fait son show dans l'émission Musique Promo. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Nous partons écouter le titre Mara Zéné de Mario Ndergué juste après. Et comme vous le savez, il va s'exprimer. C'est Mario. Il faut que je peine les choses, mais plus je passe de toi, elle se loin de moi. On m'a dit que je pourrais y arriver, mais moi je veux qu'elle fasse le premier pas. Mes amis me disent, Mario, c'est impossible. Ah, si c'est ainsi, je ne veux pas la bousquer. Je veux allier tous les mots d'amour sans savoir ce qu'elle pense en retour. Je veux allier tous les mots d'amour sans savoir ce qu'elle pense en retour. Habibi, Alali Kigabili. Habibi, Mara Zéné, 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 Mara, comment tu t'appelles? Moi je pousse les ailes, je suis avec toi. Je suis avec toi, moi je pousse les ailes, je suis avec toi. Elle m'a dit rondelle, rondelle. Elle m'a dit rondelle, rondelle. Elle m'a dit rondelle, rondelle. Comme les Parisiens m'ont mené 4 à 0. Et dans les têtes, je suis réduit à zéro. Mais je pourrais le faire à la Lionel Messi. Il suffit de faire des paris et paniquer. Et même s'il me reste 1% de chance, j'aurai 90 raisons d'y croire. Habibi, Alali Kigabili. Habibi. Moi je pousse les ailes, je suis avec toi. Je suis avec toi, moi je pousse les ailes, je suis avec toi. Elle m'a dit rondelle, elle m'a dit rondelle.
ma vie rondelle, elle, elle, elle. Marazene, le titre Mario Ndergué. Mario Ndergué, bonne arrivée mon frère, comment tu vas? Merci. Ça va? Ben, ça va encore, on se porte bien, très ravi de te recevoir dans l'émission Musique Promo. Mario Ndergué, que dis-tu lorsque tu te souviens du passé de toi, ce batteur, aujourd'hui devenu chanteur? Bon. En même temps, c'est un peu marrant. Je n'ai jamais pensé faire de la musique, si vous voulez. À la base? Oui, à la base, c'est ça. J'étais juste un gamin, il jouait tam-tam, batterie à l'église. Et après, les choristes m'ont récupéré parce que il semblerait que j'avais quelque chose d'un peu de plus que les autres. Et bon, ça, c'est juste une histoire d'enfant. Ouais. Après, l'envie de faire la musique est arrivée avec toute une histoire derrière. Je ne sais pas si je vais mettre à décrit tout ça, mais c'est à votre appréciation. C'est comme ça le déclic est parti. Tous les 12 août, les Chinois du monde, plus particulièrement du Tchad, célèbrent leur icône, Didier Arafat. Est-ce que Arafat a eu une influence dans ta carrière à toi? Oui, je vais dire quand j'étais vers l'Afrique de l'Ouest. C'est Burkina vrai Faso? Que, oui, Burkina Faso, Bénin, Togo, tous ces pays-là. Et je suivais Arafat. J'avais une préférence pour lui. Bon, mais pour moi, c'est que c'est juste un artiste et ce qu'il fait me plaît. Mais comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas encore pensé à l'époque devenir un artiste. Donc pour moi, j'étais un fan. Alors, un fan forcément, à la base? Oui, à la base. Toujours? Donc forcément, il doit avoir de l'influence sur ce que nous faisons maintenant. Beaucoup de nos auditeurs, lorsque nous avons annoncé que tu étais notre invité, Mario Ndergué, beaucoup des auditeurs nous ont posé cette question de savoir est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Mario Ndergué et Abdoulaye Ndergué? Évidemment, nous sommes très proches. Mais c'est mon oncle paternel. Ton oncle paternel? Oui. Donc, nous sommes proches. C'est tout ce que je peux dire. Tu es de retour au pays après des moments passés au Cameroun, justement. Oui. Je le rappelle, puisque tu évolues sous la férule du label Buzz Master Roi. Buzz Master, big up. Oui, big up à Golden Sonic. Dis-nous, quelle est la marque de fabrique, la différence du label Buzz Master Roi aux autres labels du bled? Bon, sans vouloir offenser, vous savez, quand nous on dit quelque chose ou bien qu'on fait quelque chose, le lendemain ça fait l'actualité. Mais en toute sincérité, je pense que nous sommes un peu comme les masters du game. Okay? Nous voudrions que les choses avancent. Et c'est pas pour dire aussi que les autres ne veulent pas que les choses avancent, mais quand vous essayez de voir l'actualité, réellement nous voudrions avancer les choses. Et donc c'est peut-être là la différence, ce que nous faisons sur le plan professionnel, la digitalisation de la musique et tout ça. C'est vrai aussi que les autres font, mais si j'essaie de relativer, je me dis que nous avons quand même une petite longueur d'avance. Sur d'autres labels. C'est ça. On va entrer dans la polémique avec toi. Il y a cela quelques semaines, on va dire. Une polémique entre... un clash, on va dire. Ouais. Un clash entre toi et Firebee. Ouais. Tu t'adresses à Firebee, où tu dis, tu n'es pas un concurrent, tu as été toujours un fan. Attends, c'est le game. Comme je l'ai dit dans notre direct, c'est le game. Quand on parle du game, c'est un peu comme un jeu. Je ne sais pas si... Vas-y. Certains ont joué ce jeu quand j'étais enfant, mais c'est le game. Donc nous, on prend tout positivement et on prend contre la blague, même si on sait que ce sont des jeux qui peuvent nous apporter quelque chose de plus sur notre carrière et tout et tout. Mais bon, c'était pour faire avancer vraiment les choses. Et c'est en réponse à tout ce qu'eux-mêmes, ils ont eu à le dire. Honnêtement, je ne sais pas d'où est sorti ce buzz, mais au final, c'était positif. C'était juste positif. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous confirmer que rien n'a changé depuis clash avec Firebee? Les relations sont restées telles qu'elles sont ou les relations sont au point mort? Non, Fire, tu vois, Fire, c'est juste
un camarade dans la musique. Et on s'écrit. Et même quand ils ont les clips avec les jeunes Mirage et le Ferrari, il m'a envoyé. Il m'a dit, bro, voilà notre tout dernier sorti. Essaye de voir et fais-moi un retour. Et j'ai dit déjà félicitations. Et après, dès que je télécharge, je vais voir ce que vous avez à faire, le taf et tout. Ouais. Et j'ai partagé. Donc ça voudrait dire que nous, c'est tranquille. Quoi. Tu pas t'es pas seulement pris à Firebee, tu t'es pris aussi à Whitey. Bah, Whitey, vous voyez, nous sommes allés le chercher dans, comment je vais dire, dans son registre. Lui, c'est un peu les genres d'artistes qui se sont construits autour des petits clashs. Oui, des et, polémiques, voilà, c'est ça? Des polémiques, c'est ce que je veux dire. Et dès que nous, on a vu sa réaction sur FM Abi, on n'a pas tardé à lui répondre parce que ça a toujours été comme ça, hein. Ma personnalité, c'est ça. Même si au fond, je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais je réponds toujours quand tu m'adresses. Je te réponds personnellement à ce que tu as eu à dire, bien sûr. Beaucoup de gens te reprochent, Mario, que Mario Ndergué, c'est quelqu'un de nerveux. Ouais. Est-ce que tu confirmes? Oui. Non? Mais vous savez, si vous avez bien constaté le monde, les gens nerveux sont toujours sincères. Je ne sais pas si je suis en train de mentir ici. J'ai l'impression que tous ceux qui sont un petit peu nerveux sont sincères. Mais je n'ai pas dit que à tout moment j'essaie de j'ai pas la maîtrise sur ma colère, non. Parce que vous voyez le buzz qui s'était passé. En réalité, pour d'autres artistes, ça pourrait en dériver ailleurs et tout. Mais nous, on a géré positivement et tranquillement. Donc, quelque part, j'ai la maîtrise sur ma colère. Et oui, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire que je ne suis pas un homme coléré. Ça fait partie de mes défauts que je maîtrise pour l'instant bien dans le game. Et comme tu es déjà de retour au pays, ouais, est-ce que tu as pu entrer en contact avec tes collègues artistes? Ouais, moi je m'intéresse toujours à ceux qui s'intéressent à moi. Vous savez, il y a tellement de jeunes artistes méconnus qui m'écrivent. Chaque fois que j'ouvre mon WhatsApp, ils m'écrivent. Ils disent vraiment comparativement aux autres. On se rend compte que toi, tu es pour toi, tu es sympa, tu es ouvert à tout le monde, mais nous aussi on veut se lancer. Et je les donne toujours, je les écris. Et honnêtement, bon, quand je suis rentré, j'ai fait le travail aussi. Et je viens d'arriver à peine une semaine, mais je suis là. Là, je suis en contact avec HP7, Big Up. Big Up à lui. Et Mokhtar B. Voilà les deux artistes que nous sommes. Et comme par hasard, ils sont aussi proches de notre label. Ça ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas ouverts aux autres, mais bon, pour l'instant, c'est les deux artistes que j'ai le contact avec eux. Mario Ndergué, tu ne bouges pas justement, puisqu'on va recevoir aussi un artiste qui est arrivé en Djamena il y a cela quelques jours. Son fief à lui est à Sarre. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir Gestionat qui est avec nous? Bonne arrivée, Gestionat. Si. Comment se porte ça? Ouais, ça va bien. Est-ce que ça bouge culturellement là-bas, à ça? Bon, dans le domaine de culture, bon, je peux dire que ça ne bouge pas parce que là, on est manqué des matos. Là, c'est pas facile. Il y a les. Manque de matériel. Oui, manque de matériel. Et là, les artistes, ils s'égrouillent, parfois ils organisent des trucs dans les bars, tout et tout. Et ça n'a pas été facile pour eux. Que fais-tu en Djamena? Ok, belle question. Je suis en Djamena pour une tournée médiatique et accompagné aussi Massoud parce que c'était hier son concert. Son show hier voilà. À Kamo. Tu es en Djamena uniquement pour la tournée médiatique de ton titre? Je suis en Djamena uniquement pour ça et pour prévoir aussi un concert. Prévoir un concert? Ouais. Le concert, c'est pour quand? Ça sera en septembre parce que là, je suis là pour quelques jours. Je vais repartir à ça avant de revenir en septembre pour tourner notre clip en collaboration avec Massoud. Pourquoi avoir jeté ton dévolu sur Massoud? Bon, Massoud, c'est un grand frère à moi parce que quand il était à ça, on était ensemble tout le temps. Massoud, les Obidi, on était tout le temps ensemble. Et là, au moment où il s'est lancé dans la musique, j'étais de l'autre côté. Au Cameroun, on causait. Là, arrivé ici, comme en Djamena, les gens ne me connaissent pas trop. Il dit que non, je dois faire un truc. Parce que avant, il y avait un moment où
parlé trop de lui là-bas et il a essayé de prendre une place ici. Donc c'était comme ça, il me s'est dit on doit faire un truc avec Massoud. Donc quand il était à ça, il était invité pour l'anniversaire de CST, de la fondation plutôt. C'était là, bon, il dit qu'on doit faire un truc. Donc on a fait deux sons avec lui. Penses-tu, en étant à ça, tu pourrais quand même toucher le public Pas facile, parce que là... Tu penses déjà à t'installer définitivement en Djamena ou... Je ne sais pas, parce que c'est dur. Et là, moi, je suis à ça, je travaille à ça. C'est ça le problème. Je travaille là-bas et je ne peux pas laisser mon boulot et venir ici. Donc si on essaie de m'affecter ici ou que je trouve un boulot ici, je peux venir m'installer ici en Djamena. Dans le cas contraire, ça serait toujours comme ça. Peut-être je serai ici pour quelques semaines et reparti. Beaucoup plus on me donne congé, permission d'une semaine. Oui. Donc c'est pas facile. On va recevoir un styliste qui est aussi un artiste. Qui est avec nous, Fairo, comment tu vas mon frère? Ça va, je vais très très bien. Tu nous rends visite à FM Agui et surtout dans l'émission Musique Promo. Vu que tu es un styliste, est-ce que les artistes tchadiens s'habillent bien? Ouais. Est-ce qu'ils savent soigner leur image? Bien sûr, quelques-uns le font très bien, mais il y a aussi d'autres qu'il faut vraiment améliorer et c'est très important. Pour un artiste, ouais. Est-ce que beaucoup d'artistes sont déjà rapprochés de toi, ouais, ne serait-ce que pour confectionner les tenues? Ouais, beaucoup même, pas beaucoup. Est-ce que la plupart c'est toi qui pars ou c'est eux qui se rapprochent de toi? Bon, moi à la base je suis artiste comme je venais de le dire, donc on ne me connaît pas comme un businessman aussi. Et vu mes pubs, tout ça, les gens souvent me demandent tu fais ça comment, tu vois, et c'est de là, c'était parti en fait. Donc quand je commençais à confectionner les habits et autres que pour eux, c'est sans me rendre compte, c'est devenu un business et dit pourquoi pas le faire. Donc souvent j'approche quelques-uns et il y a d'autres aussi qui me contactent pour confectionner les ensembles. Est-ce que ces artistes sont réticents au prix que tu donnes pour une tenue? C'est même pas cher. As-tu déjà travaillé avec quel artiste? Tu peux nous les citer. Tu as habillé quel artiste? Beaucoup, disons Rice Kim. Oui, tu as habillé récemment au dernier meeting. Si, du 11 août? Ouais, oui, il était habillé par moi. Il y a Endesa, il y a Ligi, il y a en tout cas beaucoup des artistes. Donc toi, tu habilles seulement les artistes connus ou méconnus? Bon, tu vois, c'est le début de mon business et... Il faut la visibilité, c'est ce que moi je cherche. Et exactement notre Montendé Clément, ouais, c'est celui, oui, le premier même. Ouais. Oui, c'est big up à lui. Merci. Et donc, généralement, tes tenues varient de combien de prix? Une veste à 40 000 CFA. 40 000 CFA. Ouais. Bon, peut-être ça peut déjà donner des idées à Mario, Derguer, à Jetsonat, pourquoi pas aussi à Mix Boys. Il y a d'autres styles que il n'y a pas les images, mais si vous allez sur la publication de Ligue actuellement, il a dit aussi pas moi. Ouais, on a regardé tout à l'heure, ouais, c'est ça. On va recevoir le promoteur de la page Top 10. Merci. Qui est avec nous. Grâce Lefa, bonne arrivée mon frère, bonne arrivée. Merci. Tu es aussi à N'Djamena? Ouais, je suis arrivé à N'Djamena. Comment se porte la musique tchadienne, toi qui es ce promoteur culturel? La musique tchadienne, pour moi, il y a quand même de l'amélioration. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Ouais. Pour moi, la musique tchadienne, actuellement, il y a quand même de l'amélioration par rapport à ce qui se passe avant. Parce qu'avant, la musique se passe d'une manière un peu archaïque, si je dis bien. Et actuellement, les choses sont en train d'avancer professionnellement. Professionnellement. Merci. Est-ce qu'au niveau de la page Top 10, beaucoup d'artistes vous contactent? Et quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent avec ces artistes? Bon, en termes de promotion. En termes de promotion, c'est nous qu'on vient souvent vers les artistes. On les cherche et on parle d'eux. Pour eux, c'est une surprise quand ils se voient sur notre structure. C'est une surprise pour eux. Et à un moment donné, on a eu de saturation. Donc, il faudrait qu'on essaye de classer les trucs nous-mêmes. Donc, si les artistes nous envoient leur projet, on essaye de faire des classements et publier avec tour de rôle. C'est comme ça qu'on le fait. On va écouter ce titre de Jetsonat, El Te Yamo. Let's go.
Ngonda geye ina itama sa ye ina nantai ye ina ibonga na ye ibonga na bo. Le père de tes enfants c'est toi. Oui. L'espoir de demain c'est toi. Le sourire du matin c'est toi. Ngonda geye ina itama sa ye ina nantai ye ina ibonga na ye ibonga na bonga. Le père de tes enfants c'est toi. L'espoir de demain c'est toi. Le sourire du matin c'est toi. Ita urabo ita masabo mani ta urabo mani ta masabo. Wakreti mele 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 mani wakreti ha mele wakreti mele 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 mani wakreti ha la fisi te yamo ha te yamo la fisi te yamo ha la fisi te yamo ha te yamo la fisi te yamo. Ha, la fille, si t'es yamo. Na ingolo, koi ingolo, na ingolo, koi adi ita, mbata ita. Tu n'as pas que la fille te ndolo. Tu n'as pas que la fille te yamo. La fille, c'est le ndolo, le yamo, le partage. La fille, c'est la confiance, le jonglage. La fille, si t'aime, alors ne t'aime, sinon tu vas t'aime. La fille, si t'aime, alors ne t'aime, sinon tu vas t'aime. La fille, si t'aime, alors ne t'aime, sinon tu vas t'aime. Pourquoi tu n'aimes pas cette fille? Pourtant c'est elle qui te donne tout. Pourquoi tu fais le petit malin? Faut pas jouer avec son sentiment. Il faut être un gentleman. Sinon t'auras pas ses chances. Sinon t'auras pas ses manons. Kanita alta alekisi yalam. Wakreti mele 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 man wakreti. Ha mele wakreti mele 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 man wakreti. Ha la fille si te yamo. Te yamo la fille si te yamo. Ha la fille si te yamo. Te yamo la fille si te yamo. El Toyamo, le titre, la chanson de Jetsonat. Allez sur sa chaîne YouTube, partagez, téléchargez cette chanson. Chers amis, on va entrer dans une rubrique qui s'appelle le quiz. La rubrique, elle est simple. Je vous explique les principes de cette rubrique. C'est une rubrique exclusivement musique tchadienne. Donc, c'est qu'on va vous envoyer une chanson de musique tchadienne. Vous allez nous dire qu'est-ce qui chante. Si vous n'avez pas le nom de l'artiste, donnez-nous juste le titre de la chanson. Et donc, chaque bonne réponse est notée sur un point. On va départager les équipes. La première équipe est composée de Mario Ndergue et de son manager, Ras Lefa. Et la deuxième équipe est composée de Efairo et Jet Sonat. Est-ce que vous êtes prêts? C'est une question de rapidité. Dès qu'on envoie la chanson et que tu connais le titre, tu nous donnes juste la réponse. Allez, c'est parti pour le premier extrait. Vous n'avez pas le nom de l'artiste ni le titre de la chanson? Non, c'est pas Benodi. C'est une question de rapidité. Non. Tout est vanité sur terre, excepté le pied qu'on y fait. Take it to joy. Jetsonat, tu n'as pas. Ben c'est M Tato Dit. M Tato Dit, le titre vanité. 0 point partout. Deuxième extrait. Envie de ci, envie de ça, envie d'être libre. Anonyme. Et quoi? Oui, anonyme, qui a dit? Bon. Jetsonat. Ouais, un point pour Jetsonat. Anonyme. Okay. Désormais le Jamboy pour le titre débrouillé. Un point pour l'équipe de Jetsonat et Efairo. 0 point pour l'équipe de Marion Dergué et Ras Lefas. Un autre extrait. Oui, Ligi pour Tchad. Ouais. 2 points. Pour bah, on a dit au même moment. On ne claque pas. Hein. On dit rapidement le titre. Okay, c'est une question de rapidité. Donc, 2 points pour l'équipe de. J'ai dit on a dit Efairo. Non, là-bas, on me dit que c'est Efairo qui a dit en première position. Donc, 2 points pour l'équipe de Jetsonat et Efairo. 0 points pour l'équipe de Marion Dergué et Ras Lefa. Mais Ras Lefa, tu es un promoteur. Tu n'arrives même pas. Je suis un promoteur. J'ai tellement de trucs dans la tête. Tu m'as pris au coup. J'avais dit qu'actuellement, j'ai tellement de trucs. Je suis pas disposé. Non. Alors, la guerre comme à la guerre. Alors. Tu es un défaillant. Tu es un mauvais danseur. Non. Un autre extrait. Personne. Dans le titre de la chanson, ni le nom de l'artiste. Prince Jojo. Oui, Prince Jojo. Prince Jojo, un point.
Un point, enfin, Ras Les Faces est défendu. Un point pour l'équipe de Marion Daguet et Ras Les Faces. Personne dans ça? Guys? Non! Abdoulaye Dengue! Oui! Abdoulaye Dengue! Abdoulaye Dengue! Attendez, s'il vous plaît. On va demander à Lava de nous dire. Ben, Lava dit que c'est Ras Les Faces qui a donné le titre de la chanson, le nom de l'artiste, qui est Abdoulaye Dengue pour ce titre Taria. Donc, vous êtes à égalité. Deux points partout. Deux points partout. C'est la finale. On va envoyer une dernière chanson et on va voir qui va gagner. Vous êtes prêts? Oui. Dernier. Tourne fire girl, bouge ton corps sur le green sur la go-go. Oui, John Chris. FRO a donné la bonne réponse. John Chris. Si vous êtes sur FM Agui, vous avez fait le bon choix. Musical phénoménal, c'est danger. John Chris est le Django. C'est. Nembaije, biri kuja mola. Nembaije, nembaije, danse ya mobo. Ubara tata, ubanda kabibu. Ubara tata, ubanda kabibu. Elle danse avec précision, son wara c'est la dimension. Son twerk est tellement dangereux, efficace qu'elle attire mon attention. Rotation, rotation, tout le rayon est affecté. Intention, tous les mecs de la drague, je perds mes fonctions quand je la vois danser. Ton bonjour que tu sais couler, c'est la tension. Demoiselle, comment tu fais ça? Ton slow motion, moi je kiffe ça. Les cassez-moi de rien que tu fais là, me donne envie de te faire des trucs sales. Côté si t'es venu seul, j'aimerais bien t'inviter. Si t'es OP, je veux une démo en privé. Comment t'es collé, comment t'es serré, comment t'es plaqué, dis-moi comment t'es touché, girl. Nembaïdje, nembaïdje, biri kuja mola. Nembaïdje, nembaïdje, danser à mobo. Chers messieurs, nous arrivons déjà à la fin de votre émission Musique Promo. On le rappelle, puisque c'est l'équipe de Get Sonat et FIRO qui gagne la manche, qui gagne cette rubrique qui s'appelle le quiz. Tout de même, on applaudit pour l'équipe de Jet Sonat et des Fire. On va se quitter sur cette chanson de Marion Dergueb. Salut. Je suis pas dans galerie du merde. 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 Envie de me téléporter très loin avec la mi-va de la galerie du merde. Mais n'est-ce je sais que c'est tempo, mais t'inquiète, Inch'Allah, je vais les téléporter au Valhalla. Envie de me téléporter très loin avec la mi-va de la galerie du merde. Mais n'est-ce je sais que c'est tempo, mais t'inquiète, Inch'Allah, je vais les téléporter au Valhalla. Dès que j'ai vu l'écran, j'avais su que c'est que des mythos. Ils veulent me mettre les bois dans rouge, je suis pas moto. J'arrive en BMW, 1000 km. Sans clientèle, et les jaloux sont pas terre. Ils ne pensent qu'à la galère, mais je vais les faire de la misère. Ils me disent qu'ils portent les couilles à la Moujaoudina. Mais j'en ai rien à foutre, je suis soldat tchadien. Ils me disent qu'ils portent les couilles à la Moujaoudina. Mais j'en ai rien à foutre, je suis soldat tchadien. Je tiens des réunions dans le bureau au Banigo. Et on décide qui vit, qui meurt dans le game chat.
Et on applique la charia à tous ces fils des putas. J'irai pas dans mon labo, dans ma tête.